Et salut les viewers! Pour ne rien rater aux vidéos que je vous propose, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être notifié, commentez et likez. Merci! Bienvenue à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 17 de Donjon Craft. Aujourd'hui, on va faire des choses. On va aller dans l'End. On va se faire les donjons de l'End. Mais auparavant, évidemment, j'ai un petit peu travaillé pratiquement comme entre chaque épisode. Enfin, surtout ces derniers épisodes. À savoir que je me suis fait un beau champ. Un champ, voilà. Déjà, je vais aller voir, parce que ça fait un moment que je suis pas allé voir, enfin un moment. Je suis allé voir hier pour moi, mais est-ce qu'il y a du... Oui, voilà, ça pousse. J'ai tout rangé ici, et si on fait ça, on se prend un arbre. Voilà, j'ai fait un beau petit champ ici. Attendez, on va se poser. Ah bah non, on va pas se poser. Bon, c'est pas grave, on va y rentrer. Ah, c'est la nuit. Bon, c'est pas grave, on voit bien de nuit. Donc, j'ai fait un champ où on peut rentrer de plusieurs façons. Le roi de la maison est là. De toute façon, c'est où il y a les torches qu'on peut rentrer. Voilà, donc on rentre ici, alors bon, il y a un peu d'herbe là. Il y a un coffre ici, il y a tout ce qui est blé. Voilà, tout ce qui est blé, il y a des chemins, ça c'est les carottes. Voilà, toutes mes récoltes de carottes. J'ai fait des parcelles, là c'est des patates. J'ai rien récolté, hein, c'est tout ce qui me reste. Ça c'est quoi? C'est des betteraves. Voilà, tout est bien poussé, un champ de verrues du Nether. C'est éclairé avec, il y a de l'eau et puis des échafaudages avec une torche dessus. Ici des citrouilles, là des pastèques. Voilà, il y a des petits chemins, on peut passer. Il y a encore un chemin ici pour aller par là. Voilà, voilà. Bon, moi je trouve ça bien. Attendez, on verra peut-être mieux. On verra peut-être mieux si je mets cette merde là. Pas trop le choix. Tac, hop, j'enlève l'anneau de vitesse. Voilà. Là on voit bien, comme ça. En plus c'est bien éclairé, j'ai remis du bois. J'ai éclairé aussi derrière un petit peu. Les animaux sont toujours là, il n'y a pas de souci. J'ai remis mes petits trucs par terre là. Ici j'ai refaçonné un petit peu histoire que ce soit un petit peu plus propre parce qu'il y avait des trous et tout ça. Voilà, il manque un petit peu un éclairage ici, mais bon. Et puis je me suis fait petite ferme à bonne mille. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça c'est ce qui me reste à cultiver, des fèves de chaos, tout ce qui est champignons et les chorus là. Ce serait bien de faire un petit champ pour ça. Et ça, c'est une ferme à bonne mille. C'est-à-dire que je lui mets de la merde dedans. J'en ai pas là. Non, j'en ai pas là. Mais bon, je mets de la merde dedans. Dedans, en dessous, il y a des hoppers qui travaillent. Et si j'arrive à descendre, hop, dans ici, là-dedans. Voilà, ça me fait... Alors, j'ai récupéré tout ce que j'avais comme en os. Hein, et là-dessous, ça me fait de la bonne mille. Voilà. Bon, après, il faudrait une petite table de craft ici. Bon, même pas... Voilà, on met tous les végétaux là-dedans. Bon, eh ben écoutez, on va se rendre dans l'End. Et puis, là-bas, on utilisera l'explorer compass. Et puis, on cherchera les structures. Voilà, voilà. On se retrouve de suite. Nous y sommes. On va manger un petit coup. Et on va aller voir un peu la structure qu'on avait vue la dernière fois. Mais qu'on n'avait pas faite. Là, on va la faire. Voilà. Loin ou pas? Je suis pas passé par ici, moi. B. Boss of mass destruction. Voilà. Bon, on va y aller tout. On va voyager un petit peu. Est-ce qu'on va vite? Ouais, je pense. Combien de temps il faut pour y aller? Je ne sais pas. On verra bien. Voilà, voilà. Bon, bah, en tout cas, on va discuter un petit peu en attendant. J'espère que ça continue à vous plaire. Déjà, l'épisode 17. Il y a encore des trucs qui vont arriver. J'ai encore ajouté deux modes. Un mode qui rajoute dans les biomes encore non explorés des petites maisons, des structures. Voilà, simplement. Et ah oui, si, par contre, j'ai rajouté un mode, on va voir si ça marche. Ça s'appelle Donjon Difficulty. Et ça rajoute de la difficulté aux mobs qui sont dans les donjons. À voir ce que ça donne, s'ils sont plus vénères ou pas. Et puis on verra. Peut-être entrer par en haut. Ouf. On va rentrer par en haut. Boss of Mass Destruction, c'est moi qui l'avais marqué. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Obsidian Altar. Bon, je me renseigne. On se retrouve. Voilà, j'ai trouvé normalement ce qu'il faut faire. Je suis sur un autre, hein. L'autre il est là-bas. J'ai pris celui-là parce que l'autre j'avais tout pété. Il faut prendre un Eye of Sun. Un Eye of Endor. Un œil de l'End. Normalement, si j'ai bien compris.
Si j'ai bien saisi le truc, faut faire ça, faut faire ça, faut venir, il faut faire ça. Oh, 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 oh. Et là, préparez-vous pour du fight, les amis, hein, parce que normalement, l'obsidilite, il est plutôt costaud. Oh, c'est joli. Oh putain, d'accord, ok. Ok, ok. J'aurais dû prendre mon arc. Il est là. On peut le taper, qu'est-ce qu'il faut faire? Waouh, 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 waouh. Ok, ok. Comment on le tape? Comment on le. Ah, si, j'arrive à l'avoir quand même. Il perd de la vie, il perd de la vie. On va lui tourner autour. Par contre, ouais, voilà. Il détruit des trucs. Ok. Waouh, waouh, waouh. Heureusement qu'on vole, hein, parce que là, il nous envoie. Faut absolument tourner, hein, parce que sinon, je pense qu'on peut pas marcher dessus. Ah, ah, il a des étapes. Il a l'air d'avoir trois étapes. Donc, il va revenir là. Normalement. Ah, il a récupéré de la gêne, la vie. Mais il galère. Si, si. Il change encore d'étape. Mais sa vie baisse. Waouh, 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 il envoie des flammes. Flammes de l'enfer. Heureusement que j'ai un bon arc. Je sais pas où faut taper. Ouais, je tourne en rond, je sais. Il a fait apparaître un truc là, non? Je sais pas ce que c'est. Waouh, 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 c'est quoi ça? Je ne sais pas. Ah mais c'est des trucs qui me tirent dessus. Ah c'est ça, ah, d'accord, ça a l'air d'être des machins. Est-ce que faut les péter ces trucs? Non, c'est des runes. Attends, on va les péter. On va voir si on peut. Du coup, il arrête de se régénérer, je pense. Hein. Je sais pas. Voilà. Est-ce qu'on les récupère? Non, on les récupère pas. Est-ce qu'il faudrait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il en régénère? Je ne sais pas. Mais il a pas l'air de prendre des trucs de la vie. Hop. Et je pense qu'il faut les péter, hein, je suis pas sûr. Du coup, il aime pas. Normalement, du coup, il se régène plus. J'espère. C'est bon, il pète de la vie. Enfin, il perd de la vie. Hop, 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 il est plus là, il est là. Ça, c'est du donjon, on attaque direct, enfin, du boss. C'est bon, on a passé le deuxième cap. Qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Ouais, je tourne toujours de gauche à droite. Ah, il a remis des trucs. Est-ce qu'il faut les péter? Je ne sais pas. Il vient de tomber dessus, je le sens. Non, on peut pas les péter comme ça. Si, je pense qu'on va les péter, les runes. Je pense que ça le régène. Mais je suis pas sûr, hein, un peu comme le dragon. Voyons voir cela. Ok. Hop, hop, hop. Je me barre. Il y en a encore un. Ok, admettons. De toute façon, si c'est... Là, c'est pour être pété. Est-ce qu'il reprend de la vie? Non, ça a l'air de passer. Hop, 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 il va me tomber dessus. Ok, il va se remettre là. On attend. Ok. Oh, ça va, on le gère. Hein. Quand on vole, ça va. On verra la troisième et dernière étape, ce que ça donne. Voilà, on y est. Est-ce qu'il baisse sa vie? Oui, il baisse toujours sa vie. Faut pas aller dans les rayons, mais bon. Il a remis des runes. Je pense qu'il faut aller les péter. Je suis pas sûr, hein. Mais bon, voilà, faudra les récupérer plus tard, je ne sais pas. Est-ce qu'il en a mis d'autres? Oui, il en a mis d'autres. Aïe, 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 il met du feu. Est-ce qu'on peut le taper quand même? Non, il a pas l'air. Donc ça doit l'aider, ouais, c'est ça, ça l'aide. Ok, il m'envoie des bouboules. Ok, je me dépêche. Ok, hop, hop, hop. Du coup, arc. On est mangé, mais on a le temps. Wow, wow, wow. Faut tourner. Tourne. Hop. Voilà. Ah, il se barre. Il va revenir. Oui, oui, t'as cru que t'allais tomber dessus, mais non. C'est original. C'est original. Heureusement qu'on a une très bonne protection, qu'on a de la vie en plus. Wow, wow, qu'est-ce qu'il y a ? Obsidienne. Ok, on a réussi un truc. Il nous a fait une tour d'obsidienne. Il fait tomber de l'XP. Oui, 18. Je passe de 5 à 18. Ok, bah je pense qu'on l'a eu. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Oh, il y a un petit coffre. Ouais, 20 XP, 24. Rien d'autre? Pas d'autre XP? Ok. Je sais pas s'il y a des trucs après dans la tour, hein, mais pourquoi pas. On va aller voir après. En tout cas, il y a un coffre. Enfin, en tout cas, un shulker. Hop là. Oh, alors. Ah, bah le fameux Obsidian Heart.
Ok. Bon, des sels, on s'en fout. De l'obsidienne. Protection 4. J'en bien en diamant quand même. Protection 4. Une armure de cheval. À cheval. Solidité 2 pour l'arc spécial Wellbound Weapon. Et un plastron en diamant. Bon, solidité 3. Ok. Je pense qu'il n'y a rien là-dedans. Mais bon. Non, il n'y a rien dedans. C'est une tour d'oxygène. Bah, il était sympa. Moi, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme structure dans le. On va prendre la dimension. L'end. Bah voilà, il y a pas mal de trucs. End Overworld, voilà. Ancienne city de l'end. Cherche. T'as trouvé. C'est où? Distance. C'est une ancienne cité, mais c'est. Il y a 6000, 6000 à faire. Ancienne city de l'end. C'est 6000. Ah ouais, c'est en moins 3000. On se retrouve là-bas. Voilà. Voilà. On y arrive. Regardez-moi ça. Bon, j'y vais tout doucement, hein, parce que le temps que les chunks chargent, c'est pas merveilleux, ça. Une ancienne cité dans l'End. Ok, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de ça. Ok. Normalement, ils sont un peu plus durs à vaincre, normalement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des spawners à ces trucs-là? Je ne sais pas. Ah oui, d'habitude, j'ai one shot. Là, j'ai one shot pas. Hein. Donc, effectivement. Des cristaux de l'End, on va peut-être tester ceux-là. Bon, ils font du bruit. Hein. Oh, un portail. Est-ce que ça mène quelque part? On verra ça après. Est-ce qu'il faut péter les boboles? Je ne sais pas. Il y a des coffres, en tout cas, j'ai vu. Ah, ils sont chauds, eux. Coffre. Oh, des cristaux de laine, d'accord, c'est pour faire le dragon. Je vais récupérer les élytras et sommeil givrante. Ok, on va mettre une torche, évidemment, comme d'hab, pour dire que on l'a fait. Sinon, on va pas s'en rappeler. Est-ce qu'il y a des trucs souterrains? Je pense pas. Est-ce qu'on pète vraiment. Ah, oh, et vous, là. Wow. On se calme, là. Il faut tous les avoir, je ne sais pas. Est-ce qu'ils respawnent? Je ne sais pas. Mais ils sont chiants, ils font du bruit. J'ai repris mon ancien aimant, vous avez vu. Bon, il tape, il tape. Ok, bon, bah écoutez, j'ai vu un coffre. Ouais, il y a un coffre. Il y a même des endermites. Oui. Décédé, raccommodage, toucher de soi et de la régène. Sympa. On va arranger tout ça parce que sinon on est full. Ok. Petite torchounette. Ok, les Endermen se suicident, tout va bien. Ouah, celui-là il est cheaté. Hein. Peut-être un boss. Hein. Ah, Phantom Swarm. Ah bah voilà. Un boss, encore un boss. Waouh, ok, c'est un Together in the Dark. Waouh, ok. Eh bah viens là, si c'est moi qui te cours après. Waouh, le bruit qu'il fait. Parce que je l'ai eu, non, pardon. Non, il y a encore plein de vie. Oh non, ça c'est des chorus. Ok, il y a eux en plus. Si je leur cours après. Waouh. On aura fait du boss aujourd'hui. Allez, je vous cours pas après moi. Est-ce qu'on peut essayer à l'arc?
se sépare, il se divise. On dirait un mille pattes le truc. C'est pas trop trop dur à faire, ça peut aller. Et toujours pareil, hein, faut avoir de la vie. Hein. Faut avoir de l'armure. Progrès réalisé, Phantom Slayer. Par contre, je vais récupérer les loot, moi. Merci. Et l'XP. 26 d'XP. Ouais, cool. Ça tombe bien parce que j'avais plus d'XP pour. Je voulais faire un truc d'enchantement. Il fallait 30 d'XP. Et j'en avais que 25 de stocké. Donc, bah là, je vais pouvoir faire mes enchantements quand on va rentrer à la maison. De la bougie, des cristaux de laine. On va refaire un dragon, un de ces quatre. Hein. Frappe. Frappe, je sais combien, 2. Hop. Là, rebelote. Toujours pareil, hein, des boissons de régène et des cristaux d'end. Putain, ça vaut le coup. Toucher de toi, de soi. Accommodage, franchement, c'est là où ultime, quoi, efficacité, machin. Ça, c'est pour quand on fait les cités, là, justement. Les câbles. Hop. Encore un petit coffre. J'adore. Oh, il y a même des diamants. Toucher de soi. Putain, c'est pas des loots de vilain, hein. C'est quoi ça? De la grélampe nacrée. Sont chiants eux et d'une force. Bon, de toute façon on n'a plus de place. Allez, tapez moi faites comme si j'étais pas là. Je vais me les faire. Bon, j'avais pas fini avec ma grelampe nacrée là, je l'avais pas récupéré. Hop là. Eh, j'avais dit que j'avais rajouté un mode qui mettait les mobs un peu plus compliqués, mais effectivement. Les toi, oui, j'ai voulu plus de challenge, mais ils auraient pas pu. Hop, ok, des diamants et l'apnée. Voilà, voilà, voilà. Encore un coffre que j'ai pas fait. Et il me tape sur les nerfs, surtout. Hop, non, mais je vais pas me défendre. Ah mais ils sont chiants, une force, mais ça respawn. Hein. Ça tape, ça tape. Lui il est toujours Keblo. Ça doit être lui le générateur, je sais pas. Arrête. Je traîne en traite. Je vais prendre tout mon XP. Oh, tout le monde qui a. Bon allez, on essaye ce truc là. Ah, ça nous fait rentrer. D'accord. Bon bah c'est cool. Eh ben, bonne chasse, bonne pioche. Hop. Nickel. Nourbe là ici. Ah ouais, du coup, on pourrait refaire spawner un dragon. Je vais en faire respawner un. J'ai des cristaux. Alors, faut que je fasse le dragon par-dessus. Non, je récupère les loot. Et l'XP. Combien j'ai? 30 d'XP seulement. What? Arnaque. Par contre, j'ai récupéré quoi? Le. Bah non, ça peut-être que je l'avais eu avant. Pomme dorée quand même, hein, ligne de rien. De la laine noire, trop content. Bon, bah, non, rien de particulier, des Elytra. Pyramide de l'End. Pourquoi pas.
On l'a pas faite celle-là. Il y a repurpose structure. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Une petite pyramide pour finir. 1000. C'est par là. Eh ben écoutez, on y va, on se retrouve là-bas, et puis comme ça on aurait fait pas mal de trucs dans cet épisode. Allez, à de suite. Donc, c'était pas la pyramide, hein, ça c'en est une autre, que j'avais trouvé en chemin la dernière fois. La dernière fois tout à l'heure en fait. Parce que la pyramide, c'était la pyramide noire qu'on avait vue nous. Qu'on avait vu tout à l'heure, qu'on avait refaite. Donc, du coup, par contre, il y a celle-là. J'espère qu'il faut pas mettre des yeux de l'end. Find end de pyramide. Aha. Aha. Eh ben, c'est du haut de la pyramide toute cassée qu'on va se quitter avec l'Underman. On va se mettre là. Hop. Avec mon copain, il s'en fout maintenant. Il est copain. On est copain maintenant. Voilà, on va se mettre comme ça, côte à côte. Bon, eh ben écoutez les amis, j'espère que cet épisode 17 vous a plu. Et écoutez, je pense que ça sera un petit peu plus calme pour l'épisode prochain. On a fait quand même pas mal de donjons aujourd'hui. Hein. On a fait donc dans l'end. C'était sympa. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. C'était Mister LD sur Donjon After.